Sommes chez Saint-Bernard dans le port Winston Churchill. Sommes chez, voyons qu'il y a des monuments à Winston Churchill qui mordit en 1965. T'en rappelles-tu, Chenard? Un mieux, parce que j'étais un mieux jeune, mais je rappelle bien qu'il y avait un long, long discours sur la télévision autour de la mort. Il y avait des chevaux, une mille de gens dans les grandes rues à Londres. Sur la télévision, certainement. Oui, parce que la télévision dans ce temps-là était en Jèrriais, et tout le monde regardait la télévision en Jèrriais. Et tout le monde vivait en Jèrriais et tout. Oui, mais je me rappelle bien parce que j'étais à peu près 13 ans plus tard que je me joignis à l'RAF. J'avais zoomé, j'avais été sur la garde d'honneur à l'enterrement. Oh non, je comprends bien. Mon beau-père, il est mort à ça, mais. Il était officier dans les soudages du Royal Horse Artillery, la TI, les coffres, ah bon? Comme treasurer pour les grandes occasions des États-Unis. Il était l'un des plus grands officiers. Officier qui a formé l'OTI avec les soudages. Ah bon? J'ai mon beau-père, Colonel Frère. Ah bon? Colonel Frère. Oui. Et puis, pour Winston Churchill lui-même, t'en rappelles-tu, ce qu'il fait pour passe-temps dans sa vie? Pour passe-temps? Oui. Je rappelle pas qu'il serait fait de la peindre vie. Beth, c'était une chose, mais l'autre chose, c'était. Il aimait bâtir des maisons en briques. En briques? En briques, oui. Chez son pasteur. Et où? Je ne sais pas, mais il en fait. Je réalise pas, je n'en sais pas. Oui, des grandes maisons ou des petites maisons? Oh, je ne sais pas. Il était hardi embarrassé quand il était dans le gouvernement, donc c'est possible que j'étais des bien petites maisons. Oui, Jean. Probablement plus tard, j'étais plus haut.